l'heure du voyage. Choisissez l'autocar. Sur la Une, tous les après-midi, un film. Il a travaillé ses poings pour un rôle de boxeur, mais que ses admirateurs se rassurent, il n'en a pas pour autant cessé d'exercer ses cordes vocales. Un direct au cœur avec Elvis Presley, une comédie percutante, mercredi à 13h35. Elle est jeune et jolie, et pour payer ses cours, fait le taxi comme son papa. Un jour, elle rencontre Michel, un jeune homme BCBG à qui elle veut cacher sa condition modeste, et pour lequel, stupidement, elle va s'inventer une famille prestigieuse. Chassé-croisé, quiproquo et malentendu sont les ingrédients de cette délicieuse comédie. Louis Vel et Sophie de La Rochefoucauld dans Taxi Girl, jeudi à 13h35. Le dernier film d'une série qui avait pour héros principal le petit Joselito, l'enfant à la voix d'or dont les aventures ont enflammé l'Espagne des années 50. Le secret de Joselito, vendredi à 13h35. Bon après-midi cinéma sur la Une. Oui, bon après-midi avec nous sur la Une. J'espère que vous avez bien commencé en suivant L'homme à la peau de serpent, le tout grand film que Sidney Lumet a tourné en 1960 après l'œuvre, la pièce de Tennessee Williams, le grand dramaturge sudiste. Sa pièce était La descente d'Orphée. Nous avons pu retrouver également deux monstres sacrés qui étaient Marlon Brando et Anna Magnani en 1960, je vous le rappelle. Et l'après-midi se poursuit avec Le jardin extraordinaire. Manger un castor, c'est sauver un arbre, un dicton étonnant qui depuis toujours fait fureur et très largement répandu en Norvège. Pourquoi là-bas en veut-on tellement à ces gentils castors? C'est donc le dossier du jardin extraordinaire en seconde vision, maintenant pour vous sur la Une. Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver avec toute l'équipe du Jardin ce 7 mars. Bonjour Paul, vous bonsoir. Allez bien? Oui, merci. Aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre d'un petit animal adorable qui est un travailleur infatigable, un véritable modèle de travail, d'organisation familiale également et d'unité. Si on peut dire, c'est le castor. Alors c'est une horreur, le titre de ce film que nous allons voir de la BBC, c'est Eat a Beaver, Save a Tree, manger un castor et sauver un arbre. C'est vrai, c'est l'attitude de certains forestiers, nous le verrons, c'est l'attitude notamment des forestiers de la Scandinavie. Et en fait, arbres et castors vont ensemble, ils sont allés ensemble depuis l'origine parce que, aussi bien en Amérique du Nord qu'en Europe, avec la fin de la glaciation, les arbres se sont étendus de plus en plus vers le nord et les castors ont suivi. Il y en avait un peu partout en Europe au début de la période préhistorique. Et puis leurs zones d'habitation se sont réduites avec le temps et avec la pression humaine. Et nous sommes ici n'importe où. Nous pourrions être en Alaska, au Texas, et nous sommes en Scandinavie où nous voyons que ce petit animal est très semblable à celui qu'on trouve en Amérique. Vous avez le castor du Canada et vous avez le castor européen qui est le castor fiber. L'autre, c'est le castor canadensis. Mais sinon, ce sont les mêmes bêtes, grosso modo, avec pratiquement les mêmes mœurs et le même genre de vie. Le Canadien est peut-être un peu plus fort, plus costaud. Plus costaud et sa période d'ailleurs de gestation est plus longue aussi, ce qui cadre avec cette différence de corpulence. Mais l'un et l'autre ont toujours impressionné l'homme et les Indiens d'Amérique du Nord. Le fameux créole qui a écrit La Hutte des Castors, notamment, eh bien, créole l'appelle le petit frère qui parle. Et c'est l'expression que les Indiens emploient pour
pour cet animal que l'on tend maintenant à réintroduire dans certaines régions où il avait été supprimé, parce que c'est un animal fabuleux, c'est le plus grand rongeur vivant actuellement, et il a des mœurs fabuleuses, parce qu'il vit en petites troupes organisées, il construit, et il a modifié probablement plus le paysage dans certaines régions du monde que l'homme, à certains moments, n'était capable de le faire. Ce qui n'a pas toujours arrangé l'homme, d'ailleurs. Voilà. En fait, c'est très facile, dans le sud de Norvège, de venir l'observer, il ne semble pas très farouche. Non, il est dans des régions qui ne sont atteignables par l'homme que pendant le bref moment que dure l'été dans l'extrême nord de l'Europe. Et donc, il a pris l'habitude d'être chez lui et il est peu dérangé.